Amis voyageurs, bonjour. Nous sommes à La Palma, surnommée Isla Bonita. On dit d'elle que c'est la plus verte des sept îles canariennes. Elle est surtout réputée pour son immense cirque volcanique. Partons voir si Isla Bonita mérite son surnom. La géographie de La Palma est faite alternativement de profondes vallées et de crêtes montagneuses. Toute l'année, l'île reste verte avec ses forêts profondes à la végétation subtropicale. Ici, vous pouvez vous connecter à l'univers avec l'un des meilleurs sites du monde pour observer les étoiles. Vous détendre sur l'une des plages de sable noir ou faire une excursion entre les ravins laissés par les volcans. Nous avons fait escale à la marina de Tazacorte, une petite ville qui se situe sur les hauteurs. La cité est joliment agencée avec sa petite église et ses belles maisons pleines de charme et d'authenticité. Tazacorte est une destination parfaite pour ceux qui recherchent un village de caractère tranquille. Après un bon kilomètre de marche à travers les bananeraies, on arrive à la mer où se trouve une petite zone touristique avec logements et restaurants. Chaque soir, le coucher de soleil sur l'océan est sublime. Pour notre première journée de visite, nous partons à la découverte du sud de l'île. Nous faisons un petit crochet pour voir la Plaza Glorieta, un parc au milieu de nulle part, où les mosaïques sont reines dans un style typiquement espagnol. Un endroit parfait pour prendre de belles photos. Nous ne nous attarderons pas à Porto Naos, la seule station balnéaire de l'île, ses logements modernes n'ayant aucun charme. En approchant de la zone d'éruption volcanique la plus récente, on traverse des champs de lave semblables à ceux de Lanzarote. Pour la visite du volcan d'El Antonio, le paiement de 5 euros par personne pour un petit sentier balisé nous paraît excessif. Du haut du cratère, on a une vue panoramique sur la vallée et la mer. Sur le retour à Tazacorte, nous découvrons Los Llanos. C'est la véritable capitale de l'île. Elle est située à l'entrée de la partie effondrée de la caldeira. Le centre ancien, animé et réhabilité, a du charme, avec ses rues piétonnes, ses bistrots, ses petites maisons peintes aux couleurs vives. La place principale se trouve une église du 15e siècle. Un peu plus loin, sur une autre place, un arbre dont les fleurs ressemblent à du jasmin et une jolie fontaine offrent un peu d'ombre et de fraîcheur. Quelques façades d'immeubles sont ornées de grandes fresques et de belles statues sont éparpillées à travers la cité. Les restaurants ne manquent pas et nous avons apprécié Don Escaldón autant pour ses beignets d'aubergine au miel que pour sa décoration et son prix raisonnable. Nous finissons la visite par le parc Antonio Gomez. Deux gros lézards ornés de mosaïques nous accueillent. Grottes, fontaines, grilles en fer forgé, tout ici nous rappelle Barcelone et le style Gaudi. Dernière construction remarquable à la sortie de Los Llanos, le viaduc parfaitement rénové. Deuxième jour de visite, Cap au Nord pour vivre un des temps forts d'un séjour à La Palma, l'excursion de la caldeira à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est là que se trouve un observatoire qui fait partie des meilleurs lieux de la planète pour observer les étoiles.
Il faut dire que le ciel de La Palma est l'un des plus purs du monde et qu'il est protégé par une loi qui réglemente la pollution lumineuse. L'ascension se termine à pied sur un sentier gratuit et bien agencé qui démarre au rocher Las Muchachos. La vue sur la caldeira de Taburiente est exceptionnelle, avec des ravins impressionnants, des pics rocheux et ces oiseaux qui ressemblent à des corbeaux, ce sont des craves. Toujours au nord, nous partons à la rencontre de la cascade de Los Tilos. Pas facile à trouver, mais quelle récompense d'admirer ce paysage luxuriant et humide. Un peu plus loin, à El Pinar, il faut voir ce mirador. Ces trois passerelles en verre, modernes, s'avancent au-dessus du ravin. Sous nos pieds, la faille est immense, à éviter si vous avez le vertige. À proximité, le village de Punta Gorda est présidé par un énorme pin. Dans son tronc, une image de la Vierge est incrustée. À voir également les arrêts de bus joliment décorés. Escale suivante, Santa Cruz. Nous commençons la visite par le quartier de San Telmo, dans la ville haute. Il offre une ambiance villageoise des plus attachants. Le patrimoine civil et religieux de la ville a été déclaré dans sa totalité bien d'intérêt culturel. Parcourir le centre ancien à pied est une expérience unique, très agréable. Sur la place Alameda, ce navire en bois nous rappelle que les Espagnols ont débarqué ici en 1492. Juste devant se trouve le Nain, la statue emblématique de Santa Cruz de La Palma. Sur le front de mer, ces maisons aux balcons fleuris sont le point d'orgue de la visite. Elles sont typiques de Santa Cruz et on tombe forcément amoureux de ces demeures si particulières. Finissez la visite par une balade nocturne, vous découvrirez Santa Cruz sous d'autres couleurs.